démarrer l'enregistrement et on va recommencer du Stardew Valley. Nah, parce que c'est trop bien. Ah, ça, avec ton ordi et blanche le câble en IPX. Oh mon dieu, cette nostalgie des vieux câbles. Sinon, une bonne vieille LAN à l'ancienne, ouais. Dans un garage, te diras-tu une scène? Wadi walou. Allez, on rigole tellement bien avec Samantha qu'on rempile pour une semaine. Deux épisodes pour le prix d'un. Le printemps, le printemps. Mon Dieu, que fait Wiseboot? Wiseboot est devenu tout fou. Oui, alors, voilà, Ken. Bonjour, moi c'est Ken, je suis revenu hier soir de l'étranger. Ma femme m'a dit qu'il y avait du sang neuf au village. Je voulais juste me présenter à une prochaine fois. A plus, le militaire. Par contre, je sais pas... Enfin, je leur croiserai, le mec. Attention, le prix des matériaux bruts chez Robin et chez Clint a augmenté. Eux aussi, ils connaissent l'inflation. Oh le bordel d'entretien de mes deux... Oulala. Alors, va falloir qu'on gère beaucoup de choses. C'est beau de retrouver les couleurs du printemps. Les arbres sont beaux comme tout. Les arbres sont beaux comme tout. Chibidibibidou. Oh le bordel dans l'exploitation. Je vends tout de suite mes moumousses. Je sais pas quelle version c'est, Tunsen. Sors le tracteur et bloque sa porte avec le fumier. Excellente vanne. Mon dieu. C'est ça. La révolte des agriculteurs. Oh mon dieu, une pensée pour eux quand même. Oh là, c'est dur. Aïe, 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 aïe. Excellent, je valide. Oh, mon bordel sur le terrain. Mais comment voulez-vous que je cultive? Oh là là. Mais je... Non, mais je vais pas tout faire aujourd'hui, là. Wow, ça a vite poussé au retour du printemps, le... Wow. Attendez, faut que je réfléchisse. Donc, arroseur de qualité, labourer les sols, le bordel, tout ce que vous voulez. Il va falloir re-répartir les... Ça. Non, mais oui. Attends. Faut répartir intelligemment les épouvantails. Oh le bordel. Oh là, je vais faire des lignes de trucs de brasserie. Je vais peut-être faire un truc là, mais je sais pas trop comment. Je vais... Alors, c'est assez dégagé au niveau de ce point d'eau. Donc déjà, je vais faire place nette. Je sais pas trop comment bien placer les... On improvise. Là, il y a à faire. Alors, pardon, je vous lirai à la prochaine journée. Pourquoi je peux pas sélectionner le... Attends, c'est quoi cette sélection du diable, là? Attends, j'ai un bug à la souris, c'est pas possible. Ouais, j'avais un bug à la souris. Oh, bonne mère.
Alors là, il y a du boulot. Putain, il est déjà 10h dans le jeu. Hey, j'ai pas acheté les graines. Ouais, je vais pas pouvoir tout faire. Non. Oh, le joli papillon. Joli papillon de mes jeunesses. Bon, on va aller voir Pierre pour lui acheter une tonne de graines. On va d'ailleurs vérifier ce que j'ai. Alors, chou-fleur, j'en ai 9. Ah bah. J'ai une graine ancienne. Graine bonus. Oh, graine de printemps. Wow. On va faire ça sur le sol de rétention et on va laisser tourner. Je vais déjà faire le chou-fleur ici. Wapapalapapa. Dur. La graine très spéciale. Je vais la mettre à côté du. Voilà. De l'épouvantail. Au moins je saurai où elle est. L'argile, je vais peut-être le ranger dans les, tout de suite parce que je vais. Merde. Ah oui, je peux plus passer parce que j'ai un arbre. Tout va bien. J'ai plus accès au coffre parce qu'il y a un arbre. Tranquille. Ouais, ok. J'ai plus d'or à faire. Mais si, j'avais de l'or. J'ai jamais réussi à gérer le truc. Attends, oui, quand je fais ça, je peux vous lire. Parce que ça coupe l'heure. J'imagine à peine si le sage joue à Animal Crossing. Alors, Animal Crossing, tu sauras que j'ai jamais accroché. Par contre, ma nièce aime bien. Je lui avais offert un bouquin officieux sur la saga. Et je sais qu'elle y joue pas mal sur sa Switch, ma nièce. Que j'embrasse. Le plus dur à gérer dans la révolte des agriculteurs, c'est les traîtres. Oui. Il y a eu encore beaucoup depuis 2 semaines, obligé de reculer et rentrer chez nous. Ah oui, ouais, c'est dur. Quand ça affecte ton quotidien, oui, alors là, courage à vous. Tu m'étonnes. Il faut que j'aille chez Pierre acheter les graines. Salut toi. Nous vendons quelques médicaments en vente libre à la clinique. N'hésite pas à venir passer me voir si la fatigue ne se fait trop intense. Je sais que le travail, alors 2 LE, à la ferme est assez fatigant, ne te surmène pas. Oui. Ah ah bah tiens. C'est le mec qui est rentré, d'accord, d'entrée de jeu c'est son anime, ok. Ah, il y a l'anniversaire du maire le dimanche. Putain, faut pas que je me loupe. Il y a des choses. Oh là là, tout le monde qui est là. Oh, salut. Tiens, toi, je te donne du pain. T'adores bouffer. Tu m'as apporté un cadeau, merci. Allez, neutre. Est-ce qu'il t'arrive d'aller au cimetière? C'est un endroit paisible pour passer un peu de temps seul. Non, il est comme une farmer, elle. Alors, oulala. Alors, stratégiquement, là, faut pas que je me loupe. Attends, gazon. Comment ça, recette de gazon? Mais non, je verrai plus tard. Sucre, farine, machin, congrès de base, rétention basique. Rétention de qualité à 150, ouais. Oh, le papier peint, c'est quoi? Il est bizarre, le papier peint, on dirait un truc de grotte, je sais pas quoi. Non, attendez, les arbres, c'est pas pour maintenant. Surtout que j'en ai un qui est en train de grandir. Des graines d'ail. Eh ben, on va planter un peu d'ail. Alors, des multiples de 9 par rapport à mes trucs à arrosage, non? Ah non, de 8, j'ai des conneries, pardon. 8. Allez, on va faire 4 jeux. 32. Ça fait 4 x 8. Graines de zinnia.
On marque que ça coûte pas cher, je vais en faire 8. Chou frisé. Ah, récolté à la faux. Alors attends, le chou frisé, je ferai à part. Je vais faire sur un truc de solde de rétention. Merde, attends, j'ai un défaut de manette. Couleur sortie. On va en faire 8 aussi. Merde, je vois plus le nombre. Ah! Pomme de terre. Chou-fleur. Ah oui, ça prend du temps le chou-fleur. 32 aussi. Je vais en faire pas mal parce que je crois que ça rapporte. Graines d'haricots. Ah, puis ça c'est sur des pieds. Treillage. Faut pas que j'en fasse trop non plus parce que je vais me laisser déborder par les... par les cultures. Allez, j'en fais 20. Pommes de terre, je vais en faire pas mal. Voilà. Et j'ai dit quoi? Le zinnia, là, qui est bizarre. C'est déjà pas mal, hein. On va démarrer avec ça. Putain, je peux même mettre un épouvantail sur la place publique. Ah, ma gueule. J'aurai jamais le temps de préparer mon... Attends, je vais faire la gamelle du chien parce que... Sans Zeus, je serai perdu. Je vais aller faire les champignons avant d'oublier. Mon dieu, mais... Oh, mais tout ce qu'il y a à faire sur le terrain, oh, je vais avoir une semaine de taré. Oh, la première semaine de printemps, elle est mortelle dans Stardew Valley. Laisse tomber. Popopo. Allez, c'est quoi ça? Argile, tant mieux. Alors. Donc. Non, merde, c'est pas le bon instrument. Alors, tac. Ouais, je vais essayer de faire un truc dans le genre là. Oh, bonne mère. Tac. Tac. Là aussi, je vais en faire tout plein. Truc de 3. Alors, 3. Ouais, comme ça. Là, je vais encore en avoir 3. Je vais faire le quadrillage parfait. Hein. Je vais essayer. Merde, je vais faire sauter la torche. Tant pis. Je ferai en soirée, évidemment, de facto l'éclairage. Je verrai ce qui me manque. Je vais évidemment jouer sur la proximité avec le point d'eau. Tac, tac, tac. Donc, à partir de là. Tac. Voilà. Il m'en reste encore 5 des machins. Il m'en reste encore 5. Il m'en reste encore 5. Dur. Ouais, là va y avoir l'épouvantail à l'éclairage. 5. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ouais. Tac, tac. Là, je t'en refais une ligne là. Ah, et le houblon, j'en conclus que c'est pas le printemps, mais c'est en été qu'on le fait, le houblon. Donc ça viendrait plus tard. Mon, les étendues d'herbe à faucher. Oh, j'imagine que c'est pareil en dehors de mon terrain officiel de, d'exploitation. Maman, diamant. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et Samantha. là, je vais mettre ouais un peu de lumière. Là, j'en mettrai une plus tard. C'est pas grave, ça reviendra. Alors, les bonnes graines, les bonnes graines. Là, je vais mettre les fleurs. Il y avait une histoire de fleurs, je sais plus quoi. Après, j'avais l'ail. Je vais faire de l'ail ici.
Ouais, que je fasse des trucs cohérents. Voilà. Ça, c'est l'ail. Pardon, je vous lirai après, évidemment, le chat. Je ne vous ignore pas, mais concentration ultime. Concentration ultime qui me dit de mettre les choux-fleurs ici. Les choux-fleurs, je vous les mets là. Merde, il me manque une graine. J'ai mal calculé mon coup. Ah non, j'en ai mis un là-bas. Ah ! Est-ce que je peux le récupérer ? Oui, non ? Merde, je crois que je vais le perdre. Bon bah tant pis, le truc là je l'arroserai, bien fait pour ma gueule. Alors, oui bah ce sera autre chose, je sais pas, c'est une pomme de terre, tant pis. Qu'est-ce que j'avais de... Ah oui, j'ai les... Alors ça c'est sur des trépieds. Est-ce que je le fais là? Ouais, peut-être. Attendez, pause, je vous lis. Plante des tulipes comme galinette. Ça dépend, il a plu chez toi? Non. Non, non, non. Pêche quand limite, non, limite, the sky. Ça, ça reste un chemin au-dessus. D'ailleurs, je pourrais presque le daller plus tard. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Mais va mourir? Vilaine bête. Elle me laisse même pas le temps de bosser, la grognasse. Pardon. Ça parle mal. La vilaine. Oui, c'est Arteux, c'est la nuit. Ouais. Hop. Non, coup de pioche, parce que ça, c'est pas censé être un chemin. J'ai dit que je faisais ça. Oui, mais je peux pas le faire à reculons aussi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Youpio, youpié. Waouh, waouh, waouh. Youpio, youpié. Ça va être une saison et surtout une semaine de ma boule. Ah! Alors attends, bonbon de qualité. Hop là, hop là. Le bordel intersidéral. Je vais même anticiper en prenant la flotte là. Ouais. La graine spéciale, je vais tout de suite l'arroser. Tant pis pour le reste. Comment ça? Pourquoi ça fait des bubules le machin? Ça fermente à mort. J'aurai jamais le temps d'aller à la carrière, je crois pas. Si. Putain, je suis fou. Je vais me prendre des... Ah, mais non, mais... Ah, si, si, je peux. Attendez. Je suis un gros maboule. Je vais à la carrière. Ah, non. Ça fermente toujours les fruits. D'accord, ok. Bon, bah, je retourne à l'arrêt de bus. Donc, je rentre chez moi. Incroyable. La fermentation des fruits n'est pas terminée. Nous, le sol est tellement sec que même la mauvaise herbe qui a du mal à pousser, mais beaucoup moins, même la vigne commence à mourir. C'est horrible, hein. C'est horrible. C'est vachement craignos, ça. Ah! Est-ce qu'il y a une recette à... Merde, le chien me gouaque le chemin. Oui, vivre à la ferme. Alors! Tiens, je vais pouvoir boire un peu. La nouvelle année est arrivée. Mmh. Donc le jeu très malin qui me dit espérons que vous ayez amélioré votre matos durant votre matériel durant l'hiver. Et regardez, ouvrez l'œil dans le magasin, il y a des nouvelles graines chaque année. Je crois que j'ai acheté de tout. J'ai acheté de tout. Votre cerise n'a pas pu se développer la nuit dernière. Oui, mon cerisier. Il y a quelques fautes d'orthographe et de traduction, mais bon.
Enfin, surtout d'orthographe. Mais bon, je les comprends. La langue française est difficile à maîtriser. Non, non, on ne jette rien. On ne jette absolument rien. Encore de la lecture? Qui c'est qui me parle? Bonjour Samantha, c'est Pierre. Pierre, c'est qui? C'est le maire, monsieur. Non, c'est le vendeur, Pierre, c'est le commerçant. Dorénavant, je vends de l'engrais de meilleure qualité, ainsi qu'une nouvelle sélection de récolte. À bientôt. Ah, déjà? C'est pas comme si j'étais passé le premier jour, il se fout de ma gueule, lui. De toute façon, j'ai pas fini l'aménagement, alors... Ah oui, c'est arrosé, effectivement. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi la terre me semble... Oui, c'est arrosé, ouais. Voilà, comme ça. Oui, bah je vais faire du bonus, là. Je vais faire du... Je vais faire les jolies fleurs, ici. Que je... déblaye à donf mon... Oh la vache. Les herbes folles, on va se calmer. Là. Les herbes folles, on va se calmer. Le sapin, je suis désolé, mais tu vas crever. Alors, 9 pour le. Hop. Ça va être un truc comme ça, je pense. Merde, il faut que je mette un épouvantail, moi. Non, pas là! Là! À côté, à côté, à côté, la case d'à côté, la case d'à côté, la case d'à côté, merdoum, on y croit, on va y arriver, on ne panique pas, on ne chique pas, voilà. Oui, je vais te donner ton nom, Zeus. Ne perds pas patience. Faudrait presque que j'y aille avec la souris et non pas la manette. Pour bien viser la bonne case. C'est vraiment limite. Tac. Oui, moi aussi je t'aime bien, mais bouge. Voilà. Non, mais il me bloque la grotte. Oh là là là, je voulais faire les champignons. On va dire que Zeus est un farceur. Sauf que là, il me fait pas rire. Au-dessus de l'épouvantail, c'est une culture. Au-dessus de l'épouvantail, c'est une culture. J'ai envie de te répondre non. Bon, ça, ça sur les piquets de bois, si. Hein. C'est des haricots. Sur trépied. Enfin, sur... sur tuteur. Putain, j'ai toujours pas vendu ma bière, moi. Oh, j'ai gardé ma bière en main, je l'ai pas vendue hier. Panique! Panique on board! Y'a trop de choses à faire. Oui, j'ai même pas le temps de la ranger. Non, les champignons, je vais garder quand même. Pendant ce temps, tant que je suis près du fourneau de mes deux... Pourquoi je peux pas... Oh. Je peux pas passer parce qu'il y avait une pousse de... Hein? Est-ce que Dieu, je peux que tu peux... Dieu... Là aussi! Mais c'est incroyable! La nature se rebelle contre moi! Je ne pouvais plus accéder à mon coffre. Ah bah non! Si je veux faire de l'engrais à gogo, autant en refaire! Par contre, le minerai d'or, je vais le ranger. Alors, tac, 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 tac. Je joue presque comme un speedrunner. Vous avez vu à la vitesse à laquelle je suis défilé les trucs, moi? Oui! Oh! C'est énorme! J'en ai 109 de l'engrais! Je suis un gros maboule! Alors. À moi la richesse! Je peux encore faire un truc d'automatique. D'ailleurs, au fur et à mesure que je pourrais en fabriquer, je le ferai. Oh, d'érable! Pas mal. C'est pas perdu l'érable. Alors là où il y a l'arbre, je ferai derrière des coffres et des trucs. Je vais pas. Je pense pas que j'exploite en... On verra. Je ne me prononce pas.
Hop, voilà. Donc, j'ai quoi? Il me reste pommes de terre ou les rats, les, ouais, les fleurs, je sais pas quoi. Oui, voilà, je vais faire les pommes de terre bonus. Là, j'ai arrosé, j'ai fait des champignons. Est-ce que je fais un. Alors, je vais condamner les sapins. Les sapins, j'en veux pas ici. Ici, je vais faire un champ. Ça, avant que ça pousse, je récupère. C'est un gland, c'est intéressant aussi. Ce sera repiqué ailleurs. Épouvantail, épouvantail, épouvantail que je vais mettre là. Rentabilité à ton. Allons-y gaiement. Là, s'il me propose encore de l'argile, ça va être la teuf. Hein. Ça va être la fête complète. Ouais, je garde mon. Là, je vais mettre les pommes de terre à donf. Comme c'est proche du chemin pour aller après aux champignons, ce sera bien pour me dire tiens, je vais arroser. Ça se tient mon truc. Non, à côté des tulipes, entre les deux arroseurs. À côté des tulipes, entre les deux arroseurs. Non, ça, non, 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 c'est de l'herbe folle, c'est de l'herbe folle avec une torche. Si tu parles de la case là, non. C'est pas un truc souhaité en fait. C'est non maîtrisé. Alors, rétention. Rétention de qualité. Toute l'eau, je vais préserver. Oh, c'est trop bien. Oh, je crois que je vais avoir le temps et l'énergie de faire un autre champ du même genre. Bien, ça sent bon mon affaire. Vite, je vais me localiser où moi pour la suite. J'aurai peut-être pas le temps d'arroser, tant pis, mais au moins ce sera en place. Ou alors je le fais là en verticalité. Ouais. Je le fais là en verticalité. Je vais garder l'arbre parce qu'il est. J'en récolte la sève. Oui, non, il peut faire un petit machin, il peut faire une comment on appelle ça? Un rejet. Faire un rejet. Non, je vais mettre à l'opposé la torche. Je vais la mettre à l'opposé de l'autre côté du chemin, là où c'est pas cultivé. Soyons logiques et stratégiques. Optimisation maximale du terrain. Je vous le dis. Hop. Alors, rétention, rétention, j'en mets combien là? Hop là, je vais mettre les jolies fleurs. À moi la tunasse. Oh, putain, je peux encore faire plein de trucs là. Je peux encore en faire 25 des trucs à planter. Mais j'ai les graines aussi de l'infini. Non mais je peux pas passer mon temps à faire que des. Que des champs, parce qu'il y aurait trop à arroser, c'est pas gérable. Je crois que Zeus veut vraiment bloquer l'accès à la grotte. Hein. C'est un trou nounouf, ce chien. Ouais, alors faut bien regarder la couleur du. Ah! Bouge le chien, bouge. Non, j'ai déjà fait. Bon, c'est bien. Au moins, je suis sûr de l'avoir. La 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 la. Oh la la. Alors attends, les pommes de terre. Vas-y que je t'arrose tout ça. Le machin il est sans fin. Oh, j'ai des mousses qui sont prêtes. On va gérer les mousses avant d'aller se coucher. Oye oye. Ouais, hey, ça fait pas mal. Ça fait pas mal à arroser. Je vais pas passer mes journées à arroser. Vraiment, vive la tunasse pour tout automatiser avec des arroseurs partout. Après, quand il n'y a plus qu'à récolter, c'est de bonheur.
Ouais, hein, c'est psychédélique. Et à la longue, c'est chiant. Quand t'as beaucoup de jours de sec, c'est pénible de faire tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il va renifler tout à l'heure? Qu'il aille pas me le déterrer, Zeus, là, sinon je lui botte les fesses. Alors, Limousse. C'est pour ça que c'est jour de fête dans Stardew Valley quand c'est un jour de pluie. Ceux qui connaissent pas le jeu m'avaient dit que j'étais un hérétique en affirmant cela. Mais quand t'es agriculteur, t'es bien content d'avoir la pluie gratos. Oui, je sais pas quoi faire de. Peut-être que je ferai des graines bonus ou. Attends, j'avais un éventail que j'ai pas. Oui, là, je peux planter là, par exemple. Je peux mettre un arbre, je sais plus où, là, par exemple. Ouais, allez, je mets-le là. Le chêne gland, machin, on va le mettre là aussi. Hop, au bord de l'eau. Oh, tout ce qu'il faut faire. Le cerisier a pas pu pousser. Je pense qu'il y a des mauvaises herbes qui l'empêchent de croître. Oh non. Oh non, j'ai les dé... Oh là 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 là. Ah oui, tu m'étonnes qu'il peut pas croître. Ouch. Alors, monsieur Crédit de CPLM va mourir. Voilà. Bon, je pense qu'il pourra croître maintenant. Oh merde, on a un deuxième. C'est bien, je les baie en même temps quand je viens de découder. Attends, il est 20h machin. De toute façon, elle a plus d'énergie. Elle est morte d'épuisement, là, la pauvre Samantha. Je suis bientôt dans le rouge au niveau de l'énergie, bien dans l'orange vif. Je vais anticiper avec l'arrosoir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je plante demain les graines de zinnia et de pommes de terre en bonus et les graines sauvages? Mais sur sol de rétention, c'est-à-dire que j'arrose pas et j'attends que la flotte. Ça peut être un bonus sympa. Ça peut être un bonus sympa. Je vais la tenter. Ouais, ça fait déjà beaucoup, mais je peux jouer le bonus de fin de mois. Pas le 13e mois, mais presque. De se dire, là, j'arroserai jamais. Je vais juste laisser la mère nature le faire à ma place. Parce qu'il y a des jours de pluie. Donc à la fin du mois, j'aurai peut-être suffisamment de flotte pour récolter. Ah, j'entablisse tout de suite, je suis fou. Tant que j'ai de l'heure à exploiter dans la journée, tu vois, il est 21h50 et pas encore minuit. Parce que si je me couche après minuit, chaque 10 minutes passées, ça me soustrait de l'énergie pour le lendemain. Et je peux pas complètement retrouver mon énergie, ce qui est très malin et logique. Merdoum. Là, je peux refaire de l'engrais, non pas de l'engrais, mais de la rétention avec l'argile que j'ai récupérée et la pierre. Voilà. Donc, je refais à tout va du sol de rétention. Maintenant, je mets des pommes de terre ici. Là, je mets les fleurs de Zania machin. Et bon, là, je vais mettre les graines en tout jar qui sont. Ah merde, j'avais ça aussi. J'ai des graines de printemps. Eh ben, on va mettre les graines de printemps. Ou pas. Oh, si j'essayais les mélanges de graines vraiment, vraiment pif. J'en ai récolté pas mal des. Attends, il est où mon coffre? Ah, il est là, je crois. Ouais. Voilà, 34. Putain, j'en ai trop. Laisse tomber. Quoi? 2 heures là, le temps de ranger et revenir. Attends, t'as le bain au cas où tu perds un peu de temps. Environ 2 ou 3 heures, le temps de régène et de revenir. Ah, j'ai jamais essayé le bain en régène. Merci pour l'info, mais non, je me serais, tu vois, je me serais pas venu à l'esprit.
d'aller me détendre au spa du village, en haut de la montagne, là. Viens, viens sur la montagne. Ta-da-ta-di-ta. Puis, ah oui, j'ai mon... Non, non, j'ai bien joué, je vais pas en faire plus. J'ai l'épouvantail de collection. Ah, vite, il va être minuit. Il va être minuit. Vite, dodo, vite, dodo. Ah, vite, dodo. Je vais perdre mon... Ah, voilà. Ça, c'est une journée pleinement rentabilisée. Ouais. C'est énorme. 15 pièces d'or, le... Aïe, aïe, aïe. L'aile de chauve-souris. On est à... en Chine, là, vous savez. Oh, pardon. Ah, oui. Ah, je crois entendre la pluie. C'est jour de pluie. Ouais. C'est jour de pluie. Alors, c'est quoi la recette du jour? Les tortillas. Combien d'entre-vous dévorent un burrito? Déjà tout préparé au micro-ondes tout en regardant ce programme. Honte à vous. Vous pourriez aussi bien envelopper vos haricots dans un vieux chiffon de cuisine. Maintenant, écoutez bien. Une fois que vous aurez essayé mes tortillos de maïs frais et rustique, vous n'aurez plus jamais vous en passer. Compétence culinaire tortilla appraise. Appraise. Oui, la sacro-sainte pluie. On va faire la danse de la pluie. Tout le temps. Comme les Indiens d'Amérique. On leur donne raison. Alors, limousse. Faudra peut-être que je pense à les vendre. Hop là. Ah, j'ai peut-être plus assez, je crois. Pour, il en faut 10. Hein. Ah non, 5. Bon, bah, c'est bien. C'était les derniers. Donc, je vais ranger le. Voilà. Alors, malgré la pluie, il faut penser à donner de la flotte au chien dans, avec l'eau dans sa gamelle. Qu'est-ce que je fais? Je mets l'épouvantail là ou là-bas? Ouais, là. Allez-y. Bref. Les champignons, la gamelle du chien. Ah non, c'est d'art. Ah non, je dis des bêtises. J'ai dit des sottises, pardon. Même la flotte remplit la gamelle du chien. Ah oui, la sacro-sainte pluie. Ah, c'est merveilleux. La rentabilité maximale. La 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 la, c'est le bonheur absolu. Je peux pas faire mieux dans mon exploitation. Eh ben, je vais... Qu'est-ce que je fais? Je vais entretenir un peu mon terrain ou je vais directement à la carrière ou à la mine? Ah. Bon, allez, je vais aller à la carrière mais pas à la mine. C'est un entre-deux. En plus, on va aller voir les verrines de, qui fermentent là de les gelées de fruits. Et voilà. Ah ah. C'est comme ça qu'on fait. Je suis riche. Ah si j'étais riche, 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 riche. Ah, dibidi, 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 bidou. Ah merde, c'est pas le bon tonneau. Merde, je me bourre. Il est pas moi celui-là. C'est. Je sais plus, un hussard sur le toit, je crois, le nom de l'opérette. De l'air célèbre, si j'étais riche. Oh, les jolies pierres. Les jolies pierres, ouais, précieuses. Même les arbres poussent, hein, alors que j'avais abattu tous les arbres, ça revient. C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh, c'est super pratique. À tel point que, vous voyez, comme j'ai du fric en réserve, c'est le pur bonheur. Je vais chercher mes géodes et on va faire bosser le...
On va faire bosser le... Merde, mercredi, c'est quand l'anniversaire du... Oh là là, c'est chiant de... D'esprit, je sais pas quoi. Ça fait flipper. C'est quand l'anniversaire du militaire, là? Il est où, ce militaire? Je vais faire mon passage dans la ville et offrir des pots de confiture. Histoire de copiner un peu avec tout le monde. Je sais plus, c'est le mercredi ou c'est le jeudi, l'anniv du militaire? Je suis à la deuxième année, là. Je démarre tout juste ma deuxième année d'exploitation. Non, ça, je m'en fous. 30 unités de minerai de cuivre. Non, mais je n'ai rien pété. C'est le calendrier du village. Ah, c'est demain, l'anniversaire du militaire. Chez le main. Alors, attends. Pierre disait qu'il est fermé le mercredi. Eh, merde. Tiens, je offre encore des confitures à mamie. Salut, beau gosse. Attends, je vais peut-être pas lui offrir un caillou. Fille du rugby. Bonne journée pour jouer au ballon, non? Oh, il pleut. Ouais, tu peux aller dans la boue, t'en mettre plein la tronche et déchirer ton froc. Si tu n'étais pas une fille, je t'aurais proposé de jouer au ballon avec moi. Non, mais dis donc. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Tant pis. Oh, l'autre, le macho de mes deux. Non, mais dis donc, je vais te le foutre là où je pense, ton ballon de rugby. Alors, j'ai vu les plus beaux papillons faire bronzette dans les jardins publics hier. Ouais. Tiens, mamie, t'as gagné de la gelée de fruits. Alors, comment qu'il va, le papy? Alex est mon petit-fils. Je te l'ai déjà dit, non? Je ne sais plus. Hein? Parle plus fort. Bon. Tiens. Voilà, toi aussi, t'as ton pot de confiture. Alors, lui, je vais le... Il m'a mal parlé. Tiens, Pam, elle est où? Est-ce que t'aimes bien les confitures? C'est cadeau. C'est parfait, merci. Voilà, allez, hop, je rends tout le monde heureux. Qui c'est que je pourrais donner de la gelée, je sais pas quoi. Alors, substance curieuse, ectoplasme, l'autre, pierre rajeunie. Oh là 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 là. Attends, visqueuse extrêmement rare, après plusieurs d'ectoplasme, fantôme des dépouilles, des cristaux. Ouais, peut-être les cristaux, on va voir. Si j'ai le temps de descendre à la mine. Oh, il n'y a pas des trucs sur la plage? Ça fait très longtemps que j'ai pas déambulé sur la plage. Sur la plage abandonnée, coquillage et couche tachée. La fin de l'été. Boing. Ouais, encore de l'argile. Oh? Quoi? Oula! Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. J'ai récolté ce qu'on appelle un trilobite. Non, ce n'est pas un nouveau boys band. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est quoi un trilobite? Je ne sais pas du tout. Oh, t'es qui, toi? Le vieux marinier. J'ai cette vieille amulette à vendre, mais quelque chose me dit que c'est pas encore le moment pour toi, jeune fille. Oh, c'est le mec qui vend le coquillage de mariage. C'est ce mec. Ouais. C'est lui, j'avais lu à la bibliothèque que c'est le type bizarre. Et je peux pas lui offrir de la confiture, après tout, c'est un homme parmi tant d'autres. J'ai cette vieille amulette. Non, ok, lui il est là que pour l'amulette de mariage. Tiens, je peux entrer là ou pas? Non, c'est fermé. Non, Elliot, ouais, je suis pas copain avec. Allez hop. Terminé. Adjugé vendu, je me barre. Mais attends, j'en ai déjà eu ou faut que je donne à... Ah non, faut que je donne à Gunther. Faut que je donne à Gunther. On va y aller rapidement avec les géodes. J'ai 14 milliards de géodes à faire péter. Oh, une fleur de printemps. Ok, là on va y aller en chariot histoire de gagner un temps monstre. Ouais, c'est un fossile trilobite. Merci pour l'info. Jean.
Alors, trésor de la mer, ce que j'ai ramassé sur la plage. À Quéchambon, le petit corail. Il y a de l'algue, il y a du corail, il y a de l'oursin. Deux en or. Oh là 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 là. Extraordinaire cette récolte. Récolte de printemps, ça va là-dedans. Oui, ça c'était le dernier de. Oh, la fonderie, elle va plus beaucoup marcher parce que j'ai plus de minerai en fait. Ah si, j'ai ça. J'ai encore un petit peu de métaux à faire fondre. Les géodes. L'arme. La vache. Oh la vache. Ouh les géodes, il y en a beaucoup. Ouh les géodes. Les géodes. Ouais. Après je peux pas en faire. Gunther, non, ça n'intéresse pas Gunther, machin là. Dans mes trucs. Ça va être tard pour la mine. Non mais je veux pas aller à la mine. Je veux pas aller à la mine là aujourd'hui. Je veux aller au musée et au forgeron. D'ailleurs le forgeron, faut que je me mange les fesses parce qu'il ferme à 16h la feignasse. Je parle mal. Parce que je crois qu'il va au bar le soir, si je dis pas de bêtises. Attendez, concentration. Concentration, parce que j'aimerais bien tout faire en une seule fois. Pour le reste de poudre de confiture, je vais aller le. Non, je le garde pour le lendemain, peut-être. Je vais peut-être garder pour faire des cadeaux, en fait, les gelées de mur. C'est pas con. C'est pas con du tout. J'aurais dû ranger mes rooms. Vite, brouille. Brouille. Je vais ranger ça. Mon arrosoir, je vais le mettre là aussi, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. On va foncer aller voir le. Attends, si je fais le musée. Artefact. Ouais, voilà, Gunther, il avait pas le rubis. Qu'est-ce que j'ai? Rubis. Non, ok. Ouais, là j'avais du bon qualité or. Là, c'est un peu tout, c'est bizarre, donc j'avais déjà. Ah merde, j'avais encore du sol de rétention. Alors, chariot, foncez voir d'abord le forgeron, parce que je crois que le musée ferme un peu plus tard. Ville. C'est ça. Hop, lui, il a quoi? Il a rien dans sa poubelle. Forgeron. On y croit. Transformer les géodes. On va le faire bosser, le gars. Alors, dans le bon ordre. Oh lolo. Stanling. Mouais, somme tout basique. Ah, c'est déjà mieux. Un cristal de terre. Ça, je m'en souviens. La recherche des géodes, ouais. C'est quoi le tas de boue avec les points de couleur? Ouais, c'était pas un tas de boue, mais c'était une géode. Tu vois, c'était un truc qui renfermait du basalte. Sûrement des trucs pour Gunther. De la dolomite. Œil de tigre, je crois que c'est ça. Oh, de l'or! Énorme! Oh, le coup de bol. Ouais, non, en fait, un seul exemplaire suffit quand. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une tête d'ours. Barry. Bon, ok. Barry Time, non pas Barry White. Mais bon, bref. Du fer. Du caillou. Il va être épuisé, lui, à la fin de sa journée. Il aura frappé 30 fois à l'enclume, là. Waouh, il y a des choses. Ah, bonne pioche, 10 cailloux. 5 cailloux. Moitié bonne pioche. 3 cailloux. Allez, 2 cailloux ou 1 caillou peut-être. Ah non. Oh, 10 de cuivre. Sympa. Merde, j'ai plus de place dans l'inventaire. Et il me reste 18 géodes. Alors attends, on va aller voir le musée. Non mais d'accord, mais. Oh. On va aller voir le musée.
Comme ça, je vais vider mes poches et on va retourner voir le forgeron pour continuer les... Oh, mazette. J'ai jamais aussi bien joué à Stardew Valley que maintenant. C'est énorme. Oh là là. J'ai aucune récompense, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Au moins, ça m'aura vidé des espaces. Allez, on continue, au boulot. C'est un festival, il en reste 18. C'est parti, c'est la fête. Allons bon. Du marbre, ouais. Bon. De la stéatite, du charbon, du je sais pas quoi, de l'espérite. Allez, yo. Ah, ça c'est une larme de je sais plus quoi. Une larme de gel, de glace. Ah oui, ça je l'ai dit tout à l'heure. Encore du charbon. Du barbe à nouveau. Des cailloux. De je sais pas quoi, de joli. De la géminite, deuxième service. Ça c'est quoi? De l'hématite. Merde, j'ai plus de place à nouveau dans le... On va retourner voir... Oh, cette mécanique de jeu. Oh, un train qui arrive en plus dans le village. La totale. Alors, on continue. Mais merde! Le jeu qui est guaqué, qui s'est auto-guaqué. Ouais, allez. Mais non, mais je voulais le mettre en haut, moi. Oh là là, il y a trop de trucs. Au secours! Je crois que je réorganiserai plus tard, quand j'aurai tout. Parce que je me demande si les présentoirs, ils sont pas consciencieusement par type. Vous voyez, du genre les belles roches, les trucs en métaux d'un côté et de l'autre. Alors, ma récompense. À moi. Oh! Une sculpture d'ours. Et un vase en obsidienne. Waouh! Trop bien. Alors, forgeron, la suite. Ça me fait délirer. Allez, il me reste deux emplacements. Je vais pas aller loin. Ah, oh, bien. Encore du cuivre, ouais. Cailloux. Bon, là, ça va, c'est commun. Oh, c'est quoi, ça? De la linarite. Encore du marbre. Des cailloux. Et enfin, le dernier, on arrive au bout du... De l'or. Oh là là, mais je suis gâté. Le jeu m'a gâté. C'est merveilleux. Ah, Alors, hop, le dernier pour la route. Attendez, je vais vous lire. Je vois que ça bouge dans le chat. Mais il me fait quoi, le jeu? Mais non, mais... Il est buggé. Pourquoi je peux pas... Attends, j'ai eu un bug trop bizarre. Oh, oh. Sur la moissanite. Non, je crois pas. Non, non, j'ai pas dû avoir de moissanite. Pourquoi je peux pas le passer? J'ai un bug, je peux rien faire. Ah si, comme ça, merde. Oh là 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 là. Je ne maîtrise pas. Voilà, c'est bon. Énorme, ce jeu est énorme. Donc je rentre chez moi, je fouille les poubelles. Alors il est 16h. Ouais, non. Je rentre chez moi parce que j'ai l'inventaire qui va exploser d'objets. J'avais oublié, mais c'est vrai que l'iridium est un... C'est un minerai, là, l'espèce d'étoile bleue, là. Ouais, ouais, peut être forgé en lingots d'iridium, disent-ils. Wouah, 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 wouah. C'est quoi, ça? La larme gelée.
D'accord. Je peux fusionner avec mon minerai de cuivre, moi. Oh, mais je vais ranger ailleurs la larme gelée, non? Ouais, c'est un truc de en dur, en pierre. Je vais recycler le journal des trempés. Je continue le charbon. Oui, voudou. Je vais ranger. Ouais, l'argile. Ouais, je vais arrêter avec le sol des rétentions là, parce que j'en ai fait 50 milliards. J'en ai trop, je m'en sors plus. Alors, les pierres, tout ce qui est roche, pierre bonus, ça va là. Non, merde, ça c'est du minerai à faire fondre. Cristal de terre, tac tac tac, ça aussi c'est des minerais. J'ai mes trucs de vase en obsidienne, je le mettrais peut-être dehors, tiens. Je peux pas le mettre là? Ah merde, j'ai pas le droit. Ouais, ou là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas grave s'il est dehors le vase, on s'en moque. Ma déco chez moi, je sais pas. Oh! Oh d'accord, il est pas petit l'ours. Ouais, je vais le mettre là en attendant. Je m'attendais à un truc miniaturisé. C'est un vrai ours qui a été empaillé. Oh la vache. Ça déconne zéro. Oui, donc ça c'est fait. Je vais entretenir un peu mon terrain. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, attendez. Oh là là, le bordel. Alors, défrichez-moi tout ça. Défrichez-moi tout ce boxon. Hop. J'ai rien contre à ce qu'il y ait un arbre qui pousse pour le moment. C'est un terrain que j'ai pas, que j'aurai pas le temps d'exploiter cette année. J'aurai pas assez de pognon pour avoir des arroseurs automatiques. Mon dieu. Donc demain, c'est l'anniversaire du militaire. Faudra que je lui mette le grappin dessus. Je sais pas comment. Je dois avoir sur la carte le fait qu'ils me disent que c'est Kent. Au moins, j'ai retenu son nom. C'est un premier exploit. C'est le mari de Barbie. Ken et Barbie. Non, c'est Kent avec un T. Oh là 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 là. C'est une pierre qui ressemble à du diamant, mais pas du tout précieux. C'est utilisé par les faussaires. Ah ouais! Ah, tu vois, tu me l'apprends, je le connais pas. Ouais, Oh merde, attends, j'ai une. Kent, K-E-N-T. K-E-N-T, c'est le militaire qui s'est présenté à moi là. C'est carrément son anniversaire dès demain. Au début du printemps. J'ai les vers qui se battent en duel. J'ai le bois mort à récolter à la hache. Tac. Je blâme. Merde. Là, j'ai une chauve-souris qui me les brise. Oui, elle me les brise pour de bon. Merci. Tac. La hache. Tac. Oui, il est déjà 20h dans le jeu. Oui, 18h dans la réalité. C'est vrai que le jeu est tellement prenant qu'on se laisse happer et on se rend pas compte. Ce jeu est tellement passionnant de par ses activités proposées. Oh la vache, ah merde. Un champignon géant. Ah. J'ai un champignon géant. Oh, il y a des herbes folles partout. Mon terrain est immense. Oh là 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 là.
Il faut vite lutter contre parce que ça se répand, ça se propage. Ça va s'étendre sur je sais pas combien de kilomètres carrés à force. La nature reprend ses droits. Si au moins j'ai fait ça pour la journée, c'est très bien. Allez, blam, 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 oh là là, oh là là, oh là là, ce défouloir. Ce défouloir, c'est un truc de foufou, le défouloir. Hop là, hop là. Eh bien, elle a bien bossé la miss. Ouais, on a bien travaillé, on a bien travaillé. Oh, j'ai gagné une torche. Trois torches même, waouh. Je suis rentabilise. Attends, je vais faire de l'iridium le temps de la nuit. Merde. Alors, rangeons les choses précieuses. Là, là et là. Je vais... Ouais, je veux bien placer rapidement les torches. C'est pas con. Je n'ai pas con du tout. Ouais, est-ce que je peux mettre une torche? Ouais, là, c'est pas you. Hop, je mets une torche là. Oui, il va être minuit, oui. Là, voilà, oui, comme là, il y a de... Hop, 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 voilà. C'est un bon éclairage. Oui, t'as raison, la permission de minuit. Allez-y. Tant pis si j'ai loupé une émission de télé. Oh! Pioche, plus 1, extraction minière. Oh, transmutation en or. C'est énorme. Attendez, je me rassois bien le temps de la transition de journée. 2400 de mousse. Donc, offrir quelque chose au militaire Kent. À mon réveil, il faut que je regarde sur la carte où est-ce qu'il crèche, le mec. Que je le loupe pas. D'ailleurs, je me mets en objectif d'aller offrir un truc au sorcier, là. Que je me le mette dans la poche. Alors, accent sur le poisson, l'anguille. Les anguilles peuvent être attrapées en mer au printemps et en automne lors des soirées pluvieuses. Ok, merci, au revoir. Alors, ah bah tiens, c'est un bon vivant le militaire. Je vais lui offrir une bonne mousse. La bonne mousse artisanale. Alors, il habite où, Ken? On va commencer par le haut. Ah oui, ça c'est le spa. Robin Demetrius Marou, centre communautaire, là j'arrive pas à zapper, attends, on va le faire à la souris. Ça je sais pas. Pierre Caroline Abigail, marché Joja, forgeron, bibliothèque et musée, manoir du maire, Georges Evelyne et Alex, saloon, Pierre Caroline Abigail, Émilie Allais, ah, Jedi, Kent et Sam. Sam. Attends, et Sam? Sam, c'est le gamin, non? Ah non, je confonds. Non, je confonds, je dis des bêtises. Marnie, ouais. Il y a Léa qui est la sculptrice. Donc attends, le mec, il est dans la maison bleue. J'ai une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. Alors attends, il est 6h du mat, je vais peut-être pas déranger. Mon arrosoir. Ah oui, je peux prendre ça aussi à offrir en cadeau. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon arrosoir? Les choses. Qu'est-ce que j'ai fait de mon arrosoir? Attends, je range le sirop d'érable. La résine aussi est précieuse. Ah, mon arrosoir est là. Alors, c'est la première fois que j'en ai en fait. Lingot d'iridium pur. Waouh, c'est énorme. Ça doit être super rare, l'iridium pur. Ah, j'ai du fourrage. Ah, mais j'en avais là du. Oh. Vas-y, voir que je te fasse une distribution de cadeaux dans le village. Vas-y voir que je vais copiner avec tout le monde. Hop là. C'est comme ça qu'on fait.
Alors, arrosage. Ouais. Comment ça, c'est pas en bas du village? Ah oui, la localisation de Kent. Non, c'est bon, c'est la maison bleue, on sait. Joie au lait. J'ai une maison bleue, adossée à la colline. On y va taper, on y va, je sais pas, je sais qui veut là, on jetait la clé. Enfin, je chante très mal, mais c'est du Maxime le Forestier, vous avez reconnu dans le texte. Trop bien, le sol de rétention. J'ai beaucoup moins arrosé. Ah, c'est extraordinaire. Oh, le bonheur. Oh, puis j'ai de la résine. Touk. Eh, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Alors, hop, champignon mignon. Je peux aller re-remplir mon arrosoir. Voilà. 9h. Allez, je peux aller au village faire la causette à tout le monde. Ouais, je vais rester sur une première verrine de gelée de confiture là. T'as même le village pour l'entretenir. Oh. Alors, la maison bleue. Et là, c'est un militaire, le mec. Il s'est déjà barré de la baraque. Il fait 400 pompes au sommet de la montagne. Non? Wouh! Ah, la famille est là! Attends. Ouais, tant pis. Donc, tu travailles à la ferme, c'est ça? Intéressant. Peut-être qu'un jour, tu pourras m'apprendre à cultiver des légumes. Ce martel. Attends, tiens, cadeau! Prends de la gelée, ça va me donner le sourire pour toute la journée. Bah, c'est merveilleux. Salut gamin. Tiens, t'as gagné un pot de confiture. Pour moi, ouais, merci. Ah non, merde, c'est le fiston, je crois que c'était le... Oui, c'est vrai, maintenant. Oui, non, je suis pas assez proche avec lui. Il est où le... Merde, le militaire est pas là. Il est pas dans sa chambre. Ah, on se peut aller chez eux. Quoi? Je peux lire le courrier des familles. Waouh, c'est dégueulasse. Je dis, comme je rentre bientôt à la maison, je tiens à te prévenir. Je ne suis peut-être pas le même homme dont tu te souviens. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment bouleversé. J'ai beaucoup de mal à prendre du recul. C'est le militaire, il a fait la guerre, il est traumatisé. Je ne veux pas te réfléchir ou t'inquiéter, je veux simplement que tu ne sois pas surprise de l'homme que je suis maintenant. Quand je serai de retour, souviens-toi, peu importe la façon dont j'agis, tout ce qui compte pour moi, c'est toi et les enfants. À bientôt, Ken. Oh la vache. On va apprendre qu'il a le syndrome du Koweït, de la guerre du Golfe, et il a le trauma du... Le trauma du... Qu'on appelle ça, du Vietnam. Oh, j'ai gagné une algue. Oh, j'ai gagné un journal dégueulasse. Coupure de presse dégueu. Mon dieu, bon, il y a plein de monde. Il n'y a personne chez eux. Ouais, tout le monde est dehors. Il est où le militaire? Il est où? Je veux mettre le grappin sur le militaire. Ah, le v'là. Bouge pas. Tu es ami avec mon fils? Ouais, mais pas que. Bouge pas. Tiens. Non, pas. Oh, je la bois devant lui. Ah, tu te souviens de la date de mon anniversaire? Merci, c'est génial. Ah, il y a un petit sourire. Tiens, non, j'ai déjà offert un cadeau aujourd'hui, je peux pas faire de... Bon, bah c'est cool. Mais oui, il est rigolo, le fiston. Ah, la blonde. Soupir, je mangerais bien un muffin. Ça va, tranquille. Tu voulais quelque chose? Est-ce qu'elle aime la confiture? Tiens, ma grande. Ah, j'adore quand elle fait son cri de surprise. Hein. Ah, c'est pour moi, merci. Ah là là, sacrée blonde. Tiens, dans le saloon. Ah non, il est ouvert qu'à midi, hein, c'est ça? Eh oui. Ah. Oh, eh bah, pomme de pin. On va la planter, là, la pomme de pin. Non, un joli arbre. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Il commence à faire chaud, je me sens en pleine forme. Oui, bah, il ira se faire voir parce que vu comment il m'a mal parlé. Allez, on va encore donner des cadeaux à mamie. Qu'est-ce qu'il fait? Je peux pas discuter pour le moment, mademoiselle. Oh. Tiens. Ah merde, j'ai déjà gagné deux cadeaux, merde. Pareil pour elle. Ah oui, merde. Je vais faire des cookies aujourd'hui, j'aime les faire en forme de fleurs de printemps. Oh là là. Ah oui, il va à table pour déjeuner. La bonne blague. Bah tiens, je vais lui donner de la bière, elle adore ça. Ah merde, j'ai été trop généreux, merde. Donc il faut que j'aille voir le... Vous savez, le sorcier. Il va falloir que je lui donne son essence du vide. Pour faire copain-copain avec lui. Oh, j'ai une fleur de... Oh, il y a un lapino qui se barre. C'est merveilleux. Arrêt de bus. Alors... Vite. Profitons-en pour aller voir le sorcier. Le sorcier, on va lui donner de son essence du vide. Hop, alors argent, j'en ai plus. Je peux plus. Je pourrais faire un peu de fer, ouais, et un petit peu de... Ouais. Qu'est-ce que essence du vide dont il est fanal, le gars? Jonquille, c'est printemps, ça se recycle. J'ai la... Je pourrais faire les tonneaux tout de suite, en fait. Je pourrais faire les tonneaux tout de suite de mousse, là. Cuivre, fer. Alors, deux de cuivre et deux de fer. Tac, tac. Donc, à partir de là... Blam. Allez, deux tonneaux. AGG vendu. Le journal des trempés que j'ai mis dans la poubelle, il va être recyclé. Ça, je vais le vendre. Je vais le vendre aussi. Allez, hop. Coffre de printemps. On met les fleurs. Les algues vont aller dans le coffre de la mer. Oh, le joli papillon. La jolie papillonne. Voilà, je prends les deux houblons pour machin. Oui, bah je peux... Allez, hop. Allez, où? Toute une ligne de tonneaux. Joie. Ah oui, c'est déjà arrosé. Non, c'est bien ce que j'ai fait. Le sorcier. Est-ce que le chien a eu sa flotte? Je suis pas sûr. Ouais, il a eu sa flotte. Donc, je vais ranger mon arrosoir là. Le sorcier. Le temps que j'aille voir le sorcier. Ouais, il y a quand même du bordel en bas dans le... Dans la propriété, il y a des trucs à faire. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des quêtes? Ah, ruby, topaz, émeraude, jade. Oh la vache. Améthyste. Ah, faudra que je regarde si j'ai... Je crois pas que j'ai du jade. Mais faudra que je regarde si j'ai pas les pierres qu'elle veut, là, la petite Émilie. Ouais, la mine aussi. Alors la mine, on la fait surtout en hiver. Parce que les autres saisons, il y a tellement de trucs à faire pour l'exploitation que c'est optionnel, la mine. Ouais, pierre de jouvence, ouais, il y a plein de trucs. Mais attends, moi je veux séduire le sorcier. Salut, grand fou. Il y a beaucoup de mystères qui nous entourent. Faut être patient si tu veux les découvrir. Oui, tiens, un cadeau. Oh, un nouvel ami. Avoir 5 heures de niveau avec un ami, ouais, ok. Bah, ce sera le sorcier en premier. Nanana. Est-ce que je peux aller dans sa chambre? Oui! Qu'est-ce que c'est? Oh! Il fait des incantations!
Mon Dieu, il fait des cérémonies occultes. Je le savais. Je le savais. Il y a des bougeoirs, des bougies tout partout. C'est quoi ça? Sanctuaire des illusions. Faire une offrande de 500 pièces d'or pour changer votre apparence. Chiche. Chiche. Samantha va changer d'apparence. Chose préférée, céréales. Oh, je peux devenir un mec? Non. Sérieux? C'est drôle. Je peux changer d'animal? Non. Non, c'est dégueulasse. Je vais changer de chien, c'est dégueulasse. Oh non. Ah, on va changer de coiffure. Putain, il y en a plein. Oh là là. Oh, en punk. En chauve. Oh non, la pauvre. On pourrait croire que la meureuse, elle a un... Oh là là. Oh, la poupée Barbie. Oh, l'autre blonde, elle va être jalouse. Je vais être comme ça. Accessoire. Une femme à barbe. On peut être une femme à barbe. Ce jeu est génial. On peut avoir des lunettes. Oh oui. Oh, c'est merde. Quoi? C'est quoi ce masque? Oh mon Dieu. Accessoire. Oh, comment qu'elle se la pète. Je veux... Ah oui. Je veux les lunettes de soleil. Je valide. Elle devient bling bling. C'est trop bien. Elle devient bling bling là. La Samantha, j'adore. Je suis totalement pour. C'est génial. Ce jeu est absolument génial. Oh, c'est quoi ça? C'est du réfort sauvage. Je veux... Avec cette coiffure, Samantha Fox, c'est toi? Ouais, exactement. Complètement. Mon Dieu, j'en suis troublé tellement que c'est drôle. Je sais plus quoi faire, là, au secours. Mais c'est trop drôle. On croirait Christella, dit Raskar Kapak. Bonjour. Bah, j'aurais dû faire une coloration en rousse. Méfie-toi, la prochaine fois que je passe à l'hôtel claquer 500 balles, je la transforme en Christella. Chiche. Chiche. Oh, c'est trop drôle. Oh, c'est énorme ce jeu. C'est juste énorme. Mon Dieu. Tac. Comme quoi, ça vaut le coup de copiner avec tout le monde. Hein. Il y en a qui doivent avoir de ces secrets. Je veux même pas savoir. C'est énorme. Attends. Ah merde, ouais, mais il se fait tard, il se fait 18h. La... Celle qui vend des animaux. Ah oui, et voilà, c'était sûr. Marnie, ouais, c'est trop tard. Il faudra peut-être que je pense aussi à investir dans des bâtiments. Allez, 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 allez. Oh, si je devais avoir des animaux, alors ça va être ingérable. Non, mais faut que j'épouse quelqu'un parce que. Faut que j'épouse quelqu'un. J'aurai de l'aide à la ferme. Boum, allez, vas-y. Ah, j'ai encore gagné des torches. Printemps, alors le réfort. Le réfort, il y a les végétaux de toute saison, là, hop, l'herbe. Ouais, je vais bien, merci. Bon, ça se passe tranquillou sur Nancy, tu sais. À part malheureusement pas mal de faits divers sordides cette semaine dans la presse, mais j'en parlerai pas tellement que c'est triste. Mais bon, à part ça, c'est pas désagréable du côté de ma ville. Merci de demander. Merde, non, je suis trompé d'arme. C'est ça. Voilà. Hop, j'ai déchiré en deux la chauve-souris. Réfléchissons. Non, bah non, j'ai fait des tonneaux supplémentaires. Je peux rien faire d'autre. Mon éclairage est pas mauvais par ici. Ouais, je vais peut-être faire de l'éclairage tout le long du terrain, là. Là, ouais, je vais éclairer là aussi. Hop là, voilà.
Oh, y a vraiment, il y a quand même de l'espace. Il y a de l'espace à bien exploiter. L'autre, il me réencombre avec des herbes. Ah merde, mais j'ai pas tous les tonneaux qui fermentent. Eh oui, j'ai récolté les mousses, mais j'ai pas rechargé du houblon dedans. Rien ne va plus, faites vos jeux. J'en bafouille. Alors attends, tac tac, deux houblons. L'émission de télé, je l'avais regardée ou pas? Ah oui, l'anguille, ouais. La météo de demain dit quoi? Merde, il va falloir arroser. Il va falloir arroser, donc je vais m'endormir l'arrosoir à la main. Croyez-le ou non. Mais je vais anticiper l'usage de l'arrosoir. Donc, inspection rapido du terrain. Ouais, peut-être que je me fasse des beaux chemins. Ouais, ça c'est. Ça vaudrait peut-être le coup que je fasse des jolis chemins. Et j'en ai en réserve d'ailleurs. J'en ai mis où? J'en ai mis là, je crois, non? Oui, là, j'ai chemin pavé. Et j'ai chemin en pierre aussi, bon, qui est un peu bof-bof. Mais c'est mieux que rien. J'adore comment Samantha se la pète avec sa nouvelle coiffure et ses lunettes noires. Enfin, lunettes de soleil. C'est trop rigolo. Ouais, tranquillou chez toi aussi. Ouais, bah oui. La 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 la. Alors, chemin en terre pour ici. Voilà. Donc, chemin, clac, clac, clac. Chemin, clac, clac, clac. Ouais, je délocalise un peu la torche. Ouais, je vais peut-être plutôt la mettre là, ouais. Attends, voir. Que je mette un joli dallage. J'en ferai d'autres plus tard. Ouais, je peux faire le long de la... Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ouais, comme ça. Logique. Donc, attends. Merde, il va déjà être minuit. Oh. Le temps qui passe trop vite. Là, je peux faire le petit chemin en terre, hein, un peu dans le jardin. Ouais, puis... Ça se tient, ça se tient. Merde, je vais avoir le truc de minuit qui va me dire que je suis couché trop tard. Hop. Bon, c'est bien, c'est fait. Minerai. Oui, j'abuse, je sais. Je vais me faire rouspéter par le jeu. Bon, ça va, elle a encore beaucoup d'énergie, donc on peut pas dire qu'elle soit claquée. C'est bon. Ouh, on passe au vendredi. Alors, tu me diras, Scarcapac, je suis allé me promener avec mes amis cet après-midi. C'était agréable. Ouais, t'as bien fait. Mais c'est fou, ce redoux anormal en hiver. Merde, j'ai plus rien à boire. Ah! Faudra que je fasse... Attendez. Je profite de la pause. Je vous laisse regarder le détail de mes gains. Il glouglou. Attendez, j'ai soif. Faut que je me fasse du glouglou. Merdoum. J'ai plus à boire. Je vous mets une petite musique de fond. Le temps de faire poireauter 3-4 minutes. Pour mon confort, j'ai le gosier qui est sec. A tout de suite.
Me revoilà, me revoilà. Alors attends, ça je peux pousser. Hop, j'ai plus besoin de ma tasse chat. Bon. Je remets ma couverture, hop, enfin serviette de bain sur le siège. Je remets ma flanelle sur mes pattes. Je remets les écouteurs et je vous lis dans le chat. Bonsoir Jean-Benoît! Il n'a pas l'air mal comme je... Ah oui, il est magnifique, Stardew Valley, il est magnifique. Il est un peu tout. Il est un peu tout, Stardew Valley. Il est un peu RPG, aventure, histoire. Il est gestion. Alors, j'ose pas dire stratégie, mais il est aventure, baston. Il est merveilleux, Stardew Valley. Vraiment, il est bien. Il mérite sa réputation. Il est captivant en tout point. Bah ça va bien, merci Jean-Benoît, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ah, il est plein de poésie ce jeu. Il est plein de poésie. Au moins j'ai pas de courrier à lire. Ça m'arrange. Alors. J'arrange ça. Merde, faut que je coupe la musique là, ça fait doublon avec le jeu. Je vais faire du charbon de bois. Alors, arrosage. On distingue les parcelles humides de celles qui sont sèches. C'est bien foutu. Alors, je vous lis par intermittence. Donc, Jean-Benoît, tu me dis... J'aime beaucoup, on peut épouser tout le monde mort de rire. Ouais. Bah, je viens de voir chez le sorcier que je pouvais même changer de sexe, alors... C'est énorme! Oh le chien! J'ai changé de chien! Avec la magie du démon! Ah là 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 là! Ce n'est plus un berger allemand, mais un. Je sais pas quoi, on va dire un teckel. Enfin, je connais pas les races de chiens. J'adore comment qu'elle a changé Samantha, ça me fait rire. C'est trop drôle. Hop là. J'ai une truc de pain. Allez, là j'ai les champignons mignons. Ah, j'ai plus d'eau, merde. J'étais si proche du... J'étais si proche du but. Bon, le terrain est arrosé, ça va, c'est rapide. Ça se gère bien. Un petit peu de bois. Allez, entretien de terrain, Zougo. Ouais, il y a quand même, y a à faire. Oh la starlette. Oh! Ah oui! J'avais oublié les notes secrètes. Bah tiens, elle tombe bien. J'ai emprunté un collier à ma mère. Mais je l'ai perdu quelque part vers les bains publics. Elle va me faire une crise de nerfs si elle s'aperçoit qu'il a disparu. Comment ça? Un collier à ma mère? Près des bains publics, il a disparu? Non. Il va falloir qu'on se promène du côté des bains publics et non pas bancs publics. C'est différent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là, comment que ça carbure! Le vase en obsidienne dehors là, il est beau. J'aime bien comment ça fait la déco. Non, le chien, oui, j'allais dire bouge ton boule. Alors, il y aurait quelque chose du côté.
Oh, ça c'est un poireau sauvage. Il y en a... Quoi? J'en ai eu deux d'un coup? Waouh. Ah oui, j'ai un bonus à la cueillette, je crois. Oui, ça va bien, Jean-Benoît, merci. J'aime beaucoup, on peut poser tout le monde dans de rire. Ah oui, pardon, merde, je t'avais déjà lu. Quoi? Téléportation vers la mer. Tout va bien. Ah, de l'argile. Là aussi, il faut entretenir. Oh merde. Alors, on va faire le tour, on va entretenir les bains, là, parce que c'est le... C'est quoi ce boxon? Bonjour Cocosy, comment que ça va? Yeah, merci à toi de passer faire un coucoux. En espérant que t'as passé un bon ou un ken. Ouais, vers le père après la mère, ouais c'est ça. Ouais, très bien, oui moi bien, écoute tu vois je m'éclate sur Twitch. Et encore c'est pas fini, parce que je vais jouer les prolongations ce soir. Je tiens à rappeler que je vais me retrouver en simultané avec Torota. Et on va faire les histoires sombres, Black Stories. On va démarrer, je crois, à 21h. Normalement. Ça va durer 90 minutes, 2 heures grand max. Mais ça va être sympa. On l'avait fait une première fois et j'avais beaucoup rigolé. Il y avait eu pas mal de clips. Parce que j'étais déchaîné. Et je crois que je vais l'être encore ce soir. Ça promet. Alors j'ai pas trouvé de collier mais par contre il y a à faire. Hein. En entretien de la zone. Oh là 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 là. Il y a pas de collier. Il y a pas de collier. Eh, je viens d'avoir une idée saugrenue. Hein. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça le collier. On dirait des bijoux. Bah, pourtant j'ai de la place dans l'inventaire. Ah la starlette. On est d'accord, il n'y a pas de collier. Oh, pff, elle avance trop lentement. Oh là 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 là. Je sais qu'elle a peur de glisser, mais... Il n'y a pas de collier. C'est là où je retrouve le caleçon de bain du maire, mais dans le vestiaire des femmes. Ce serait trop drôle. Ce serait trop drôle. Il y aurait tellement d'interprétations salaces à faire. Non, mais il n'y a pas de... Je suis désolé, il n'y a pas de collier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ouvre l'œil, hein. J'essaye de repérer, mais... Merde, c'est le vestiaire des hommes. Oui, non, l'idée saugrenue que j'avais en tête, c'était justement de changer de sexe. Et on passe d'un vestiaire à l'autre. Comme pour 500 balles, je peux changer de sexe chez le sorcier. C'est n'importe quoi ce jeu, j'adore. Ah là là, revenez dans quelques années, je vais demander à être androgyne. Les deux sexes à la fois. Ah mon dieu. Bon, il est où ce collier? Ça, c'est la température. Objet pour femme. Oui, bah oui. Vestiaire d'Abigail, ça sent vraiment mauvais. Oh. C'est le vestiaire de qui, ça? Vestiaire de Penny. C'est qui, Penny? Ah, c'est la Miss. Il y a un maillot de bain à froufrou à l'intérieur. Ah, ah, ah. Madame est coquette. Mais il n'y a pas de collier. J'ai passé mon début d'après-midi à déblayer autour des bains. Il n'y a rien. C'est quoi ce délire? Ah, comment ça va? Oh merde, Poirot, il va aimer si je lui offre? Oh non, de la résine de pain peut-être. C'est pas vraiment mon truc. Désolé Linus, j'aurais essayé. S'il te plaît, ne détruis pas ma tante. Mais non, mais j'ai pas détruit ta tante. Mais il est fou ce mec. C'est déjà arrivé, oui, bah c'est moche. Ceux qui ont fait ça sont des gros vilains.
Si j'allais voir Robin tant que je suis à côté de chez elle. Ah merde, elle est pas là, con. Ah, je voulais savoir si elle avait des trucs à me vendre. Merdoum. La faute a pas de chance. Ouais, non, mais non. Mais. Bon, la maison communautaire pour cette semaine, je crois que c'est foutu. Oh, une cuillère rouillée. Ah, oh, c'est un artefact pour Gunther. Ah, monsieur le maire. Oh, c'est con. J'ai pas de mousse. Je peux pas lui faire de cadeau. Désolé. Oh, une jonquille. Attends, je vais vérifier le calendrier de la semaine. Non, je veux pas manger de poireaux. Ah oui, c'est l'anniversaire de monsieur le maire dimanche. J'ai intérêt à garder une mousse au frais pour monsieur le maire. Elle aime bien fouiller. Oui, c'est une fouineuse. Bah tiens, en parlant de moumousse. De moumousse. C'est l'heure de la moumousse. Moi aussi, ça va être l'heure de la moumousse tout à l'heure. Je vais en siroter une en vrai quand je serai auprès de Torota. Ce sera honteusement ma mousse digestive d'après-dîner. Na. On range la jonquille. On range les poireaux. Alors attends, ça c'est le prout universel. Toute saison. Ah oui, le téléportation de prout vers la mer. Prout. Ça c'est la cuillère que je donnerai à Gunther, je sais pas quand. Je suis plus motivé à aller voir le musée parce qu'on en a pas mal abusé. Je vais garder les mousses sur moi. Je vais pas les vendre tout de suite. Oui, le chien. Il est 19h. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, je réfléchis. Comment je peux rentabiliser mes dernières heures dans ma propriété? Pas vraiment faire de la cuisine. Est-ce que... Attendez, est-ce que je peux pas faire un peu d'artisanat? Oh, les ruches. Oh, on va faire des ruches. On va faire des ruches. Il faut du bois, du fer et du sirop d'érable. Oh, j'ai bien fait de regarder. Du bois, du fer et du sirop d'érable. Merde, il va me dire que j'ai plus assez de bois. Sirop d'érable. Du fer et du bois. Merdoum. Je vais plus avoir assez de bois. Et c'est moi qui vais avoir les foies d'avoir loupé tout ça. Ah. Panic on board. Il me faut du bois. Il me faut du bois, C'est pas grave, ça a repoussé, c'est printemps, il y a des rejets. Allez, du bois, Merde, une chauve-souris à la noix. Va mourir! Merde. Le rejet est mort aussi. Dans le geste. Des choux marins ruches. Mais bien sûr, tu ne saignes, bien sûr. Les choux marins ruches. Attends, j'arrive pas à voir. La densité d'objets est telle que j'arrive plus à percevoir s'il y a des trucs dessous ou pas. Sous-entendu, un seigneur pour récolter de la sève. Et merde, j'ai encore un ennemi qui se pointe. Histoire de pourrir mon. Hein, bon. Et me déconcentrer. Non! Ça y est, ça m'a guaqué le cerveau, c'est horrible. Ah, c'est une... D'accord. Je comprends mieux. Du
bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Donc les ruches, à mon avis, on les fera le lendemain matin. Mais ça va, c'est pas drama, c'est bien, ça se... Oh la vache, les pousses que j'ai. Non, ça c'est de l'herbe. Ah merdoum, elle est pas morte l'autre. Tac, tac, tac. Merde, je tape dans le vide. La bière. Attends, je te lis après la bière, Tunsen. Attends. Je te lirai à la transition sur la journée suivante parce que là, t'as pris le temps de m'écrire un pavé. Je t'en remercie, mais. Faut que j'arrive à placer ma voix pour. Placer ma voix. Placer ma voix. Placer ma voix. Voilà. Donc, je pourrais faire, on est d'accord. Ah bah non, j'ai pas pris le fer, je peux pas faire de ruche. Voilà. Je n'ai plus de minerai pour la fonderie. Donc ça, c'est une activité qui est en pause pour le moment. Alors là, le jeu qui me pose une colle. Ça. Merde, j'aurais dû ranger les ailes de chauve-souris dans le coffre noir. Ailes de chauve-souris dans le coffre noir. Hop. Artisanat. Ruche. Je peux en faire combien? 4. Bah, c'est un beau début, ça. Pourquoi 4? Bah. Ah, c'est le bois qui me bride. J'aurais eu plus de bois, j'aurais pu encore faire une ruche. Oui, mais c'est pas grave, j'en ferai... Ah oui, les sites 10 bois. Ça aussi, c'est en pause. C'est pas grave, c'est bien. C'est que je carbure à donf en... Bon, le chien devant la télé, donc je renonce à allumer le poste. Ici, la voix, oui. Alors, Tunsen me dit... Merde, je croyais que j'allais avoir une pause avec le... Mais j'ai rien vendu, c'est vrai. La bière est un excellent diurétique. Comme avec le café, la boisson oblige notre organisme à éliminer les toxines pour maintenir son équilibre. Autrement dit, à faire papet. Une tâche orchestrée par les reins. Plus il y a de déchets présents dans le corps, plus cet organe a besoin d'eau pour assurer leur dissolution. Et d'ailleurs, mon copain qui est médecin m'avait dit que on avait découvert assez récemment que ça brasse comme un les reins comme des tambours de machine à laver, mais ça brasse plus d'un millier de cycles par jour. On est une machine biologique merveilleuse. Sans omettre le foie qui est l'usine à chimie la plus démente de l'univers, c'est dingue. C'est extraordinaire. Préservons notre capital santé. Parce que c'est Bao. Dis Moumous, qui dit mieux? Abattre des arbres pour refaire des ruches. Samantha du courrier. Samantha, me dit la petite Émilie, j'ai très envie d'un abricot frais. J'ai pas d'abricotier que je sache, donc... Non, oui, bah tu me paieras bien. J'ai pas d'abricotier, ma grande. Donc ton... Hein, ce sera pour une autre saison. Enfin, une autre année. Carrément. C'est un cerisier et un grenadier que j'ai. Ça y est, ça me revient. Je veux plus tard le verger. Vraiment plus tard. Chiki prout prout. Oh, c'est beau. Ça se récolte pas? Si, ça se récolte! Ouais! La récolte! Je suis riche. Ah, faut voir que je replante des végétaux. Ah oui. On peut le dire honteusement à Samantha, elle fait péter les oignons. La cochonne. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, les 18 oignons, je vais les vendre directement à Pierre.
Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir avoir le pognon tout de suite. Ce qui va me permettre d'acheter des graines, encore que je suis pas pauvre. Hein. On voit que je commence, mon fric commence à monter constamment, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, je vais pouvoir sérieusement, l'hiver prochain, à mon avis, j'investis à mort dans des infrastructures animales, tout ce que je peux acheter en dur. La pauvre Robin, elle va carburer un an durant avec tous les bâtiments que je vais lui commander. Il y a quelque chose à y faire. C'est énorme. Alors, j'ai pas mal arrosé quand même. Oui, le chien. Oui, tu es beau, le chien. Vite, arrosoir. Alors, la suite. Surtout, ne t'assieds pas sur les cultures, le chien, sinon je te botte l'arrière-train. Ouais, je te vois venir. Attends, Zeus, que je te donne du... Ce sorcier. Cette magie du démon. J'ai changé de race de chien. Je suis un monstre. J'adore. J'adore ce jeu. Je crois que c'est bon. On va aller voir Pierre pour les graines à planter nouvelles. Les oignons, je vais les garder. Oh, il faudrait que je coupe du bois en cours de route. Qu'est-ce qu'il y a, le journal de quête? Fruits frais. Non, mais je m'en moque. Ah oui, 2 jours, merde. Attends, la petite Émilie avec ses pierres, là. Elle a dit quoi? Jade. Elle a dit rubis, je crois. Une émeraude. Elle a dit rubis. Topaz, je... Merde. Oh, dis-moi que j'ai tout. J'ai rubis, j'ai... Eh ben c'est ça, non? Attendez. On y croit. Rubis, topaz, émeraude et jade et améthyste. Rubis, topaz, émeraude, jade, améthyste. Rubis. Topaz. Émeraude, jade et améthyste. L'améthyste, elle est... Oui! Je vais aller voir Émilie qui va me donner 14 milliards de thunes. C'est comme ça qu'on fait. Oh, c'est trop bien. Oui, si je veux garder ça sur moi, parce que... C'est pas grave, je vais pas m'encombrer. Alors, acheter des graines. Vendre mes gousses d'ail à Pierre. Acheter des graines, aller voir Émilie pour lui donner ses pierres... Attends, je me méfie de l'heure, je vais peut-être commencer par Émilie, parce que si elle se barre de chez elle, j'ai pas envie de lui courir après dans le village. Salut gamin. Alors attends, elle est où? Merde, je me suis trompé de maison, c'est... Attends, si? Non, je me suis trompé de maison. Oh, la pauvre, elle fait la vaisselle. Je me suis planté de maison, c'est la maison d'à côté. Oh, le con. Ah, bonjour tout le monde, arrêtez. Il y a trop de monde dans le village. Elle est où, Émilie? Elle est là, je crois. Merde, elle est pas là. Oh, il y a sa sœur. Elle est où? Oui, je sais, je suis pas assez proche de... La blonde. T'as vu? T'as de la concurrence. J'ai tellement... Quoi? Envie de faire du shopping. Ah, si seulement il y avait un centre commercial ici. Non, mais elle est malade, elle. On est en pleine... Non, mais la ruralité, tu connais pas, ma grande? Non, mais elle est... Wouh! Non, elle est où, Émilie? Elle me fait suer. Merde, elle est où, Star? Je sais qu'elle bosse au bar. Au pire, je la... Hop. Au pire, je l'intercepte au bar. J'ai pas de bouffe pour elle. Si je lui offre une mousse, elle le prend comment? Eh, comment t'as su que j'avais faim? Ça a l'air délicieux. Elle se nourrit à la bière. Poche trône, va. Ça parle mal. Alors, ici, là-bas, il manque une pièce dans mon Lego. Heureusement que j'ai des pièces de rechange. Ah ouais? Sérieux, AJ? C'est rare quand il manque une pièce. Chez Rarishim. Ah oui, graines de panais. J'avais pas... Chou frisé. C'est le chou frisé qui nous vend? Attends, comment je fais pour lui vendre mon truc? Ah, c'est là. Oh, oh, je vois les trucs à combien je vends. Oh, trop bien.
vache. Je peux vendre à l'unité? J'en vends un petit peu. Ouais, je vends l'unité. Allez, hop, je m'en garde 5 pour les offrir aux villageois. Oh, catalogue. Ah, bientôt je l'achèterai le catalogue. Ça va venir, ça va venir. Ah oui, il faut que je rachète de ça pour faire de la cuisine. Des graines. Chou-fleur, c'est tellement chiant. Je vais en racheter un peu. Allez, où ? C'est même pas une petite pièce, c'est carrément une plaque de base 4 sur 6. Sérieux ? Oh la vache ! Ah, t'as vraiment pas de bol. Germer de riz. Ah, du riz. 8 jours, maturité se développe plus rapidement si planté près d'un plan d'eau. Le riz près d'un plan d'eau. Ah, pour faire des sushis. Ouais, mais ça me fait suer d'arroser. Il faudrait 8 jours de pluie. Je vais en faire un petit peu. Ouais, j'en achète 10, mais pas plus. Par contre, je veux bien acheter des trucs bonus. Pour la cuisine. Merde, j'ai plus de place après. Ah bah tiens, du riz, il en vend. Farine de, ou du sucre. Ah oui, le sucre aussi. Voilà, je me suis fauché, c'est merveilleux. Bon, c'est pas perdu, je ferai des plats raffinés, mais... Bon, la petite Émilie, elle est où, là? Bon, ça, c'est la blonde. Wow! Ah! Mais il y a plein de monde, c'est pas croyable. On se croira en centre-ville. Il y a les mecs qui sont là, là, il y a les beaux gosses. Alors... Émilie... Ah! Salut, j'aime le coup de mes propres vêtements, mais c'est pas facile d'obtenir du tissu. Oui, je pourrais pas t'enfourguer. La ville est loin d'ici. Eh ben, tant mieux. Alors, tu voulais... Tiens. Oh, yeah! Ouais! Les pierres précieuses rajeunissantes. 1000. Eh, j'aurais pas dire, mais ça coûte cher, hein, les pierres précieuses. Bon. On va dire que j'ai un bonus de... Ouais. Puis l'autre, elle me demande un abricot. Bon, bref, m'en fous, j'ai gagné. Tiens, prends ta bière. Merci, je ressens une énergie positive qui émane de ce cadeau. Ah oui, non, mais tu vas pas te sentir d'ailleurs quand tu auras consommé ma bière. Crois-moi que tu vas te sentir positive, ma grande. Alors, je sais plus. Ah non, lui, il m'a bien parlé, lui, Shane. Pourquoi tu me déranges? J'ai envie d'être seul. Non, mais dis donc, toi, goûte ma bière. Ça va te rendre joyeux. C'est génial, merci. Tiens, instantané. C'est bien, mec. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est demain l'anniversaire de monsieur le maire. On va couper un peu de bois. Il m'en faut pour faire des ruches et puis voilà. Est-ce que j'ose mettre les ruches hors propriété? Merde, où est-ce que je peux planter le... Voilà. Est-ce que j'ose mettre la ruche... Enfin, les ruches en propriété. Si oui... Ou... Attends, c'est le début d'après-midi dans le jeu. Oh, c'est mignon. Il y a les oiseaux. Il y a les oiseaux. Je pense que j'ai assez de... Ouais, je vais me faire le sapin là, puis c'est bon. J'ai pas de... Ah merde! Je peux mettre les ruches hors de ma propriété. Putain, c'est fou ça. Merdoum. J'ai vraiment envie de feinter, hein. Si j'ai le droit de mettre des ruches là où je veux. Autant mettre là où il y a des fleurs. Hop là. Je mets proche des lois. Des voies de circulation. Et puis, de temps en temps, je passerai récolter. Tant qu'à faire. Et moi, je me garde mes surfaces d'exploitation
Ici, dans mon terrain. Extraordinaire. Extraordinaire. Au pire, si ça dérange, je les déplace et puis... Donc, ouais, les proutes-proutes de chou-fleur, là. Je vais me rendre compte que j'en ai pas acheté assez. C'est ça. Ah, puis les trucs de riz, ouais. Le riz. Où est-ce que je vais... Ils ont mis près du plan d'eau, ils disent. Ah, ouais, mais... Il faut qu'il y ait un épouvantail. Ouais, bah ça va être là. Je vais faire ici, parce que sinon je vais pas... Alors, attends, j'en ai pris 10. Je vais faire vraiment au bord de l'eau. Attends. Tac. Tac. Ouais, je vais un petit peu décaler. Voilà, là, je mets un peu de lumière là. Je mets un peu de lumière là en attendant. Voilà, je mets le riz là. Et hop. Et ben voilà! Ah non! Apparemment, il n'y a pas besoin d'arroser. C'est juste parce que c'est proche de... Bah, c'est bien. Bon, bah, j'aurai un peu de riz que je conserverai précieusement histoire de me faire des sushis ou des plats à base de riz, hein, de facto. Oui, j'ai fait les champignons, c'est bien. Attends, mes arbres fruitiers, ils ont pas commencé à donner. Ah non, pas du tout. Non, 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 c'est en été, je pense, le grenadier. On va ranger les ingrédients précieux dans le frigo, histoire de pouvoir faire 1 milliard de recettes. Hop là, ça c'est du pognon bien réinvesti. Sirop d'érable, oui, je vais pouvoir refaire une autruche, c'est vrai. Hop là. Je sais pas s'il y a des fleurs. Ouais, je vais peut-être mettre la ruche là. Voilà, pour me rappeler que je dois gérer le miel. Il doit y avoir des fleurs en contrebas. Oui, on en voit en bas. Allez hop, ça sera bien pour les abeilles. Stratégiquement bien placé, je valide. Je valide. Ranger le minerai. J'en ai plus besoin. Ouais, je vais recycler des paires de lunettes dégueulasses là en cassé. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? On va aller voir du côté de chez Swen. Et du côté de chez Swen. Non, on va aller dans la carrière voir les gelées de confiture. Voilà. Je me disais aussi. Je me disais aussi que ça devait être fini. Aïe. C'est du bonus aussi. De gérer ça ici. Non, je veux pas manger. Non, je veux ranger les murs. Incroyable, il y a des herbes folles qui repoussent. Oh là là. Il y a les trois vers qui se battent en duel. Ah, 4 minerais de cuivre. C'est honnête. Non, arrêtez les herbes folles. Vous allez me rendre fou, les herbes folles. La 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 la. Mine, ville, non. Arrêt de bus, ouais, on peut rentrer. Sympa leur cyclage. Tac. Ah bah. C'est suffisamment pour faire tourner le...
Après, je retrouve le bois. Ouais, allez, je vais me calmer un peu avec le charbon de bois parce que j'en ai pas mal. J'en ai pas mal, j'en ai pas mal. Mais franchement, c'est incroyable. La dynamique dans laquelle je m'inscris dans Stardew Valley, c'est fou. Hein. C'est fou, fou, fou. Je vais vendre mes gelées. Ouais, ouais, allez, direct. Je néglige totalement la pêche. J'ai pas fait de pêche depuis longtemps. En cuisine, qu'est-ce que je peux préparer? Que le champignon? Oh là 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 là. Vivement que j'apprenne toutes les recettes. Ah ouais, des œufs, j'en ai pas. Igmam, j'en ai pas non plus. Poisson dorade, machin. Soupe à la truite, ouais. Ah, gâteau au chocolat. Des œufs, ah oui, des œufs que j'ai pas. Ah, tiens, il n'y a pas de chocolat. Gâteau au chocolat, mais il n'y a pas de chocolat dans la recette. Magie du démon. Ah, tortilla, faut du maïs. Voilà le riz pour le poisson quelconque, voilà pour faire des makis, sashimi, ouais, ça me donne envie d'en manger en vrai, faut pas que je lise, ah, ça donne faim. Omelette, cuisine, œufs, lait, œufs sur le plat, moui. Moui, 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 moui. Oh la vache, friandise de mineur, ah ouais. Ah, ah, j'aurais du lait, ce serait pas mal, plateau de racines. Ah, racines d'hiver. Il n'a pas besoin de creuser plus longtemps. Oh. Oh la vache. Ah ouais, ça dope. Plat de la mer, sardines et galettes de pommes de... Oh la vache, vache, vache. Wow. Hamburger de survie, du pain, des aubergines. Wow. Déjeuner de fermier, omelette des panais. Oh là 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 là. Tremplette aux artichauts. Je me mangerais bien des artichauts. Oh, le jeu qui me fait saliver, c'est honteux, j'ai envie de manger tout ce qu'il propose. Ah, le fameux pudding. Incroyable ce jeu, incroyable. Ibi. Bon, bulletin météo, demain il fait quel temps? Il fera beau. Bon, bah monsieur le maire va être content. Là-dedans, j'avais laissé des trucs ou pas? Non, rien. Ces 5 coffres sont vierges. Le 6e aussi. Bon, la pièce qui ne sert à rien pour le moment. Voulez-vous dormir? Oui. Je vais rien faire de plus. Voilà. J'y suis. Oula, il y en a des choses. Oula là. Il y en a des choses. Putain, j'ai quasiment plus de houblon. Je me trouvais à court de houblon durant le printemps. Même en piochant dans mon houblon d'or. Non, c'était une pizza classique, une reine. Oui, non, mais elle était pas dégueu, merci. Salade. Oh, merci, Émilie. Tu trouves d'autres cette lettre des suivantes saisons faire un poste pas équilibré dans l'énergie à bientôt, la salade. Ah, bah voilà, un courrier pratique. Salut, Samantha. Merci encore pour les mères précieuses. Mais elle m'a écrit deux lettres, Émilie, non, elle est folle. Celles-ci sont parfaites pour mon travail de réalignement énergétique. Je voulais te remercier avec ce cadeau spécial. J'espère que tu créeras de merveilleux objets avec ça. C'est quoi? Émilie. Une machine à coudre. Non! Elle m'a donné une machine à coudre! Alors, je sais que t'as beaucoup de travail à la ferme et que tu ne peux pas venir nous voir, je comprends. Tu travailles très dur. Continue comme ça et tu pourras accomplir n'importe quoi, je t'aime papa. Je t'envoie une pierre de qualité avec la lettre. Ok! Son père lui envoie de la... Ok. Cette forme de mépris qui dit pas son nom... Ouais, on fait quoi avec la machine à coudre?
Placer un tissu ou un vêtement pouvait être teint sur la plaque à aiguille, imagine coudre et matériel de homme, il commençait à coudre. Quand Samantha prendra sa retraite, hein. Wouah. Bien sûr que je vais coudre. Comme si j'avais que ça à faire. Alors, le panais, je le vends. Par contre, les deux autres panais de qualité, je les garde. Accrocher les doigts les uns des autres. Oui. Oui, certainement. Mon dieu. voilà, ça c'est le minerai bonus. C'est pas perdu, il est rangé. Guichque, concentration, arrosage, gamelle du chien, puis grotte aux champignons mignons. Merde, c'était pas la bonne case. Alors, je vous laisserai pas mal de temps pour le tableau mystère ce soir à 20h30, parce qu'il va falloir que j'improvise mon miam. Sachant que je vais pas couper mon antenne, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être même faire une alternance tableau mystère et clip. Je peux avoir des trucs à grignoter. Ouais, je vais peut-être exceptionnellement grignoter, on va voir. Non, je vais pas grignoter, je sais ce que je vais me faire. Ouais. Mais ouais, si, j'ai des restes aussi à manger. Moi, je sais pas, je verrai. Mais il faudra que j'improvise. Gentil le chien, il est gentil le chien, c'est ma mère. Oh, c'est dommage, j'ai même pas pensé à faire du repiquage là où c'est arrosé automatiquement. Le mec qui sait pas réinvestir dans le. Enfin bref, au niveau agriculture. Merci Dragon Sky, bonjour. J'espère que ton direct s'est bien passé. Attends, j'avais vu l'alerte tout à l'heure, tu jouais sur... Ah oui, Harry Lampoté, Harry Potter, Hogwarts Legacy, pardon. Ça y est. Bonsoir Dragon Sky, merci d'avoir pensé à moi pour ce relais de chaîne. Oui, je devine que t'as pas résisté à me voir jouer à... T'as vu comment elle devient bling bling, Samantha? Elle a changé de coiffure, elle porte des lunettes de soleil. Elle se la pète. Elle sent bourgeoise. Elle commence vraiment à vivre de son exploitation. C'est énorme. C'est vrai en plus. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Tac, 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 ça carbure. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Oui, effectivement, ouais, il n'y a pas eu de Bibi cette semaine à cause d'un agenda du week-end un peu bousculé. Normalement, vous retrouvez les Bibi samedi prochain, Jean-Benoît. Ouais, je vois ça en mode la luxe. Non, le luxe, pas la luxure. Alors, la luxure pourra peut-être arriver. Bon, mon idée de faire un... un village de consanguins, pardon, ça parle très mal, mais il y avait une théorie que j'avais mise, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais la luxure, ouais, je peux changer de sexe, donc je pense que je peux copiner avec pas mal de monde. Est-ce que ça se passera sous la couette au final? Je ne sais pas, mais on en prend le chemin. C'est vrai en plus. Oh, ce jeu, c'est mieux que les feux de l'amour, Stardew Valley, vraiment. Ah non, mais ça prend des proportions de ma boule. Ouah. Ouais, j'ai du sirop d'érable. Et là, j'ai les pins à planter. Allez-y, les petits sapins. Je vais me faire une joie de zigouiller la saison prochaine. Histoire d'avoir du bois. Tiens, lui aussi, allez hop. C'est pas comme s'il y avait 50 rejets qui m'attendaient. Allez, blam, 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 blam. Ouais, sirop d'érable. Oh, les papillons, ils sont beaux. J'ai fait peur aux papillons, j'étais planqué dans l'arbre. Et ben ils iront s'en trouver un autre. Là.
Allez, bouge de là, le sapin blanc. J'ai encore pas mal d'arbres à abattre. Hein. Je vais pas les peser non plus, on est à la moitié de la journée. On va peut-être garder notre énergie à faire autre chose. Ah, l'anniversaire du maire! Monsieur le maire, monsieur le maire! Ah, ah, j'allais vous oublier! Vite! Oui, j'ai des bières sur moi. Vite! Allons souhaiter l'anniversaire, monsieur le maire! C'est aujourd'hui. Allons planter aussi des trucs. Et récolter des fleurs. Oui, j'ai une fleur. Voilà, ça encore, c'est un sapin à battre. Je le ferai sur le retour. Monsieur le maire, où êtes-vous? Il doit être chez lui en train de manger, non? Oui, oui. Ah non, il est là. Ah, non, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je suis maire depuis Canville depuis plus de 20 ans. Oui, je sais. Enfin, j'en doute pas. Personne ne se présente jamais contre moi aux élections. J'aime croire que ça suffit que je fais bien mon travail. Oui, très bien. J'aime bien être maire. Oui, alors attends, c'est ton joyeux anniversaire. Un cadeau d'anniversaire, c'est très gentil de ta part. Je l'adore. Tu m'étonnes. Qui n'est pas séduit par Mimousse? La bonne bière. Tiens, allez hop. Hop là, là il y aura deux sapins. D'ailleurs, je vais pas me... Hop, je vais les... Graines d'érable. Allez hop. Cette gestion de fou. J'adore. Hop là. Non, j'avais même pas vu que j'avais des morilles. Ah bah oui, non, les morilles, c'est la récolte. Monsieur le maire, vous méritez un coup de bûche. Oh, 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 oh. Oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Un coup de bûche. Là aussi, je peux replanter des arbres. Allez, hop. Hop. C'est pas perdu. Une jonquille offerte par Mère Nature. Là, des pissenlits. Dragonside, tu me dis... en parlant de mousse, c'est... Quelle saveur cette semaine? Eh ben, j'ai pas fait mon choix! Figure-toi que je vais la savourer tout à l'heure. À partir de 21h, en guise de digestif honteux, en faisant les histoires sombres en simultané avec Torota. Donc, je crois qu'il me reste pas mal de mousse. Je dois en avoir une aux fruits rouges, une aux... Merde, mais c'est un ennemi qui est apparu là, non? Non. Une à la mangue, et je sais plus. J'ai plusieurs mousses en réserve, en fait. Je suis décalé, j'ai un stock maintenant. J'ai un stock de poivreaux. Si vous... Attends, je réfléchis au jeu en même temps, j'essaie de pas perdre trop de temps. Attends, j'ai un doute. Oui, non, c'est arrosé. J'ai eu un gros doute. Les ruches, ça bouge pas. Ouais, à mon avis, ça donne pas... Oh, oh, oh! Qu'est-ce que j'ai pas vu, là? Mousse un jour, mousse toujours. Houblon, houblon. Ah bah. Oh là là! J'ai plus assez de houblon. Attendez. Incroyable mais vrai, il faut que j'aille puiser dans mon stock de houblon de luxe. Oh non, j'en arrive même à utiliser le houblon de luxe. Mais ça fait ma richesse. Oh là 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 là. Attendez, attendez, attendez. Ouais, bah la bière, donc. Coffre de printemps, coffre de printemps. Jonquille, pissenlit, jonquille. Non, ça je vais garder. Les morilles vont aller dans le frigo pour faire des plats à base de champignons. Et il y en a, croyez-moi. La sève, elle est rangée là. Tac, tac, tac. Oui, je garde le sirop d'érable là. Ouais, pas perdu. Non, les morilles, je vais les reprendre. Les cailloux, je les range ici. Des sous-sous avec la binouze. Oh oui, alors, exactement. Exactement. C'est la recette de succès. On va ranger les morilles dans le frigo. Moi, ça va me libérer une case d'inventaire. Hop là. Merde, mais pourquoi j'ai mis une... Ah oui, les algues permettent de faire des... Je sais plus quoi. Des trucs visqueux de sushi, sashimi, je sais plus quoi là. Enfin, non, les makis.
Ouais, ça s'arrose tout seul parce que c'est au bord de l'eau, c'est pas mal. On est d'accord que j'ai fait la carrière. Je vais peut-être m'aventurer un peu en bas du village. Il y a peut-être encore des trucs à faire. Attends, je vais prendre l'épée en main parce que si ça tourne mal. Je vais arrêter de bûcher à donf parce que. Enfin, de faire la bûcheronne avec Samantha, elle est quasiment épuisée là. Il n'y a pas de truc de cueillette à faire, il n'y a pas de surprise. Merde, j'aurais peut-être pu offrir un truc au sorcier. Là, c'est cassé. En bas, il y a des déchets, c'est une honte. Ah, il y a l'escroc au chat qui vend les chapeaux. Nœud de la chance. La partie centrale est en or massif. Oh la vache. Trait du barrette hawaïenne. Marguerite. Un sur. Bonnet bleu. Non. Hôtel d'un coup. Chiche. Chiche. Je ne résiste pas. Oh mon dieu. Oui. Oh oui. Oh, c'est glorieux. La petite maison de la prairie, vous connaissez? Avec les lunettes de star, c'est n'importe quoi. Mais c'est trop bien. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas erré par là. Je sais même plus ce qu'il y a. Ah oui, il y a les égouts. Dégueu. La porte est verrouillée, et heureusement. Oh là là. Le short du maire, il est pas par là, par hasard. Ou le panier de mur de Linus, là. Mon dieu. Aïe. J'imagine un roulé-boulé dans l'herbe. Ah oui, nous pouvons imaginer. Tu as raison de suggérer, Jean-Benoît. Je te donne raison. Oh là 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 là. Extraordinaire. Bon. Bah, c'est bien. Ça va être la fin de la session de Stardew Valley, là. Parce que j'aurais encore vécu une semaine complètement folle. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc là, j'ai des coffres bonus. J'ai des... Ouais. J'ai les trucs de la mer absolument superbes. Ah oui, je vais peut-être cumuler le... Attendez, les algues, j'en ai pas mal. Hein. Attends, j'ai les algues là, les algues... Ouais, non, mais ça aussi, ça se... Ah. Les algues là, elles vont aller au frigo. Hein. La vache, comment que ça fermente. Mais oui. Ah, c'est pas les mêmes algues. Intéressant. Intéressant. Pour entrer davantage dans la référence de la petite maison. Ouais, dans la prairie, bah oui. Dragon Sky, tu me dis, j'ai mon ticket pour le musée du jeu vidéo à Paris en 2026. Ce sera fait avec ici Japon. Ah, bah c'est cool, il faudra que tu nous tiennes au courant, Dragon Sky. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu prévois ton coup et t'as bien raison. Bulletin météo, la semaine prochaine, il fera... Bon, il fera arrosage. Alors, la recette du jour. La pizzouille. Il y a une très bonne raison pour laquelle la pizza est un classique culinaire intemporel. Vous avez une croûte artisanale bien dorée, une sauce marinara piquante à l'ail et un mélange chavreux de trois fromages. Et c'est que le début. Jetons quelques poivrons frais et des tomates sur le dessus. Oh mon dieu. Le projet Odyssée avance bien. Ah, c'est bien. Oh, cet aspect de Samantha. Oh, regardez-moi ça. C'est énorme. Ouais, j'ai un petit bordel à ranger, moi.
Je sais plus, on a fini notre secrète. Oui, le collier mystère. Le collier mystère près du spa. Donc, il faudra ouvrir l'œil. Eh ben, c'était vachement bien. C'était Stardew Valley. Oh la tunasse! Oh! Faites brasseur. Il faut être brasseur, ça rapporte trop. Ouais! Ah! La suite, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, on verra. Peut-être dans 15 jours, parce que là j'ai fait deux. J'ai abusé. Un petit clip avec le montage audio maison de la prairie. Oui, merci Dragon Sky. Oui, n'hésite pas. C'est apprécié, les clips. Merci, merci. Oh là 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 là. Merveilleux, merveilleux. Alors.